Alain, propos d'un Normand. Cosmographie. On peut voir maintenant à l'est, vers 10 heures du soir, les Pléiades frileuses, et, un peu au-dessus d'elles et plus au sud, Saturne, qui nous revient, ou plutôt que nous retrouvons à peu près où nous l'avions laissé parmi les étoiles, car cette planète ne va pas vite. Mais vous rechercherez en vain la planète Mars, qui marchait avant Saturne l'an dernier à cette saison. Mars, qui fait un tour bien moins grand que Saturne, a beaucoup voyagé. Il passe maintenant dans le ciel en même temps que le Soleil. Toutes les fois que l'on explique ces choses, ceux qui écoutent, jeunes ou vieux, s'y jettent avec joie. Si maintenant vous interrogez quelques professeurs de mathématiques, il vous dira, je le parierai, que la cosmographie est une science que les élèves n'apprennent pas. Cela fait rêver. L'astronomie est l'alphabet des sciences et de la nature. C'est là que les hommes ont saisi les lois. C'est là que les théories mécaniques trouvent leurs plus remarquables applications. C'est la grande porte sur les sciences. On y voit une première esquisse de la nécessité, et sensible à tous les yeux. Mais combien y a-t-il de bacheliers qui sachent seulement que les étoiles tournent? J'aperçois deux causes de cette ignorance. La première est que l'on ne dirige point assez tôt les yeux des enfants vers les phénomènes du ciel. Entre 10 et 14 ans, que font-ils donc? Ils rabâchent la grammaire et font la chasse aux mouches. Or, les premières observations sur le soleil, sur les étoiles, sur la lune, sont tout à fait à leur portée. Il n'y faut point d'instrument. Avec une canne plantée dans la terre, on a un fort bon cadran solaire. Avec un tuyau de carton, on saisit fort bien le mouvement des étoiles. Avec des yeux passables, tout simplement, on peut comprendre le principal de tout ce mécanisme. Des bambins de 10 ans pourraient faire la carte du ciel de mois en mois et marquer les heures et les saisons, d'après l'ombre, sur les murs de la classe. Soyez sûr qu'ils réclameraient d'eux-mêmes, et bien avant leurs 16 ans, de profondes leçons de cosmographie. Il faut dire aussi que notre cosmographie est trop abstraite. Nous commençons par la fin. Un élève apprend que Saturne tourne autour du Soleil avant d'avoir vu Saturne tournant autour de la Terre. La réponse vient avant la question. Les lois de Kepler achèvent de tout gâter. Il est de bon sens qu'avant d'expliquer les faits, on les décrive et on les fasse voir. Mais l'enseignement des sciences est étranger au bon sens. On veut que l'enfant voie toute chose du soleil, non de la terre. Et cela est la conséquence d'une idée qu'on n'avoue pas et qui règle tous les programmes. Il ne faut point perdre son temps à chercher de nouveau ce qui est trouvé. Si l'on considère seulement la pratique, cela est vrai. Et l'instinct des bêtes nous offre le plus frappant exemple d'un étonnant savoir, qui n'est point du tout un savoir. Donc, si tu veux devenir un homme, observe bien en quoi les bêtes sont des bêtes. Car la ruche humaine se fait tous les jours, et il faut la démolir tous les jours. 24 septembre 1910.